merci de m'accueillir chez vous, les Guériens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage du lundi des énergies de cette journée. On va voir ce que ça va donner. Et on y va avec, on va prendre les anges de l'amour pour un peu changer. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Waouh! Voilà, donc on est en train d'arriver, c'est en train d'arriver ce que vous, vous désirez par rapport à l'amour est en train d'arriver, les amis. Voilà, c'est parfait, merci, au revoir. Non, allez, on va voir les énergies donc pour cette semaine. Pour cette journée, pardon. La semaine, c'est fait. Et on y va tout de suite avec un tarot. Un tarot. Allez, les énergies, les amis. Pour cela, dit 20. 20. J'ai coupé, je n'aime plus. The Moon, la lune et les 3 d'épée. Ok, qu'est-ce qu'on a ici, les amis? Je pense que vous vous faites... Alors, ouais, non. Il va s'agir ici, de, pour certaines personnes, de quelque chose qui va vous rendre malheureux ou malheureuse, qui va vous, une blessure du cœur. Une blessure de cœur qui va vous rendre malheureux ou malheureuse. Mais voilà. Ça va parler de ça pour certains. Donc, si vous êtes dans le cas, si vous êtes dans le cas, ça. Par contre, on trouve ici, je pense qu'on va retrouver un équilibre. Oui. On va retrouver un équilibre et on va pouvoir repartir. On va pouvoir repartir du bon pied, repartir du bon pied et partir aussi avec quoi? Les leçons apprises du passé. Voilà. Donc ici, on retrouve un équilibre amoureux ou peu importe ce qui ne va pas dans votre vie. Allez, hop, on y va les amis. Je vais faire un petit tirage. Waouh, un roi de reine, les amis, ici. Donc, on a des énergies de pouvoir. On a des énergies de pouvoir. On a des énergies de passion. On a des énergies de travailler en couple. On pourrait peut-être essayer de travailler en couple. On pourrait peut-être essayer de créer quelque chose, de vivre de sa passion. Si c'est le cas, vous allez pouvoir mettre des choses en place pour vivre de votre passion. Pour pouvoir gérer. Vous allez gérer cette passion. Vous allez pouvoir aussi, financièrement, être maître de vos finances. Teddy, viens mon chien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une très très bonne nouvelle ici. En l'occurrence, une nouvelle amoureuse, mais on a... Oh les amis! On a le page de coupe, le chariot et le monde. Donc, écoutez, ici, c'est juste parfait. Donc, on va avoir ici des énergies vraiment de rapidité, de victoire, de surprise, mais par rapport à l'amour. Donc, très, très positif. Ici, il y a des énergies très positives qui concernent l'amour. Qui concernent vraiment l'amour. Donc, on arrive à ce que l'on désire. D'accord, on arrive vraiment à ce que l'on désire. C'est l'apothéose ici. Alors. Vous arrivez à un moment donné de votre vie, pour certains, où vous pouvez enfin faire une pause. Vous pouvez faire une pause. Justice va être rendue. Justice va être rendue. Il y a une pause que vous allez pouvoir faire. Il y a, vous avez accumulé certains, peut-être de l'argent, pour pouvoir avoir une autonomie
financière où la justice va vous être rendue d'une manière ou d'une autre et vous allez pouvoir enfin quitter ce que vous ne voulez plus. Vous allez pouvoir vous en aller vers un nouveau futur suite à une décision de justice ou suite à quelque chose qui vous paraît juste vous-même. C'est vous qui allez faire peut-être la justice. En tout cas, il y a des changements ici. On fait le deuil, on va vers d'autres horizons. Oh, on fait la fête ici. On a le 3 de coupe, le 5 et le 4 de bâton. 3 de coupe, 5 de coupe. Donc ici, effectivement... Et alors ? Viens, Teddy, viens. Viens, mon chéri, viens. Teddy. Teddy, il était en bas, il vient de monter. Qu'est-ce que tu fais, toi ? T'as vu, méchant. Tiens, t'en auras deux pour ça. Toi aussi, parce que je ne sais pas faire autrement. Bon, désolé, mais parfois Oscar, il est vraiment méchant. Bon. Mange mon chien. Il pleut, les amis. Il a fait tellement chaud. Et là, il pleut. Oh, mais il fait chaud quand même. Bon, alors, on fait la fête, on travaille, on retrouve une certaine famille, on arrive à passer à autre chose et à reconstruire ou à construire enfin son nid, son foyer. On retrouve un équilibre, on a les quatre pieds à la chaise. Donc maintenant, c'est vraiment, ici, il y a quelque chose qui va vous permettre, vous êtes dans des énergies où vous allez vous pouvoir enfin vous libérer de certaines choses du passé. Donc, vraiment, ce sont des sentiments, encore des émotions. Donc, voilà. Et vous allez recréer ici. Recréer avec de l'aide, avec un amoureux, avec une amoureuse, vous allez, avec votre femme, avec votre mari, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes et recréer ce petit nid, cette famille où Teddy, ah, ça va. Non, reste là mon chien, reste là. J'ai disparu. Alors, on a ici l'amour-passion, on a des choix que vous allez faire. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir faire des choix par rapport à l'amour, l'opportunité aussi de créer quelque chose, l'opportunité de... C'est une notion de rapidité, les bâtons. On a la notion de rapidité, donc quelque chose ici qui va commencer, puisque c'est l'as, qui va commencer, ça va être quelque chose qui va vous passionner, mais ça va être aussi quelque chose qui est en rapport avec les sentiments, les émotions, l'amour. Et peut-être aussi que vous allez peut-être demander des conseils, ou que vous allez donner des conseils à quelqu'un pour pouvoir évoluer. Mais moi je pense que c'est vous. Vous êtes en train, même si vous êtes déjà bien, vous allez encore être mieux dans votre couple. Sinon, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous par rapport à l'amour ou par rapport à une passion, par rapport à un travail, par rapport à quelque chose, un sport. En fait, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Mais j'ai vraiment la passion et les sentiments aussi. Décidément, on a beaucoup, beaucoup d'aide. On a le 3 de denier. Donc,
Ici, les amis, vous allez avoir, recevoir de l'aide matérielle ou autre. Mais en tout cas, on ne va pas vous laisser tout seul. On va vraiment, vous allez vraiment avoir de l'aide pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Vous n'allez plus, à mon avis, on va peut-être vous demander encore une fois de vous justifier, de dire, mais vous avez, on va vous poser des questions, et des questions, vous n'avez plus envie de répondre, vous ne voulez prendre, vous voulez vous reprendre en main, vous, et on a aussi peut-être quelqu'un qui vient vous donner un avertissement, mais moi, pour moi, c'est ici la victoire, pour moi, c'est une victoire qui est en train d'arriver rapidement. Ouais, c'est quelque chose qui arrive rapidement, donc... Peut-être que vous allez être sur vos gardes par rapport à une personne ou par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose qui vous arrive. Vous allez être sur vos gardes, mais ça va aller. Franchement, vous allez pouvoir vous défendre. Et même, il n'y a pas besoin, il n'y aura même pas besoin de vous défendre pour moi. En tout cas, on construit quelque chose de solide avec de l'aide et de l'argent. Ça peut être aussi un nouveau travail, un nouveau boulot. Alors, on trouve enfin ici sa capacité à s'occuper de soi-même financièrement. On retrouve son autonomie, on peut maintenant vivre de ce que l'on a gagné. En tout cas, on n'a plus besoin de quelqu'un pour nous aider financièrement. Ce que vous attendez est en train d'arriver ici. Voilà, ce que vous attendez est en train d'arriver. Et les choses vont changer. On est complètement dans un nouveau cycle. On fait table rase du passé et on va vraiment vers quelque chose de tout nouveau. Et c'est parfait. C'est juste parfait. Et regardez ce qu'on a ici. On a en dos de deck le 10 de denier qui nous parle de quoi? De la famille parfaite. Des vieux, des jeunes, des chiens, des maisons, des chiens, des animaux domestiques. Enfin, voilà. On a vraiment, vraiment, vraiment ici du bonheur matériel, sentimental, financier. On a tout. On a tout ce qu'il nous faut. Donc ici, on commence vraiment quelque chose de nouveau. Et on va vraiment vers... vers l'abondance totale et générale. Financière aussi, mais pourquoi je le mets là? Ben oui, je le mets là. Voilà, c'est vraiment la famille idéale. Idéale. Et on a quand même beaucoup de couples, donc il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, etc. Donc voilà, voilà. Tomber amoureux. Écoutez, c'est vraiment parfait. Donc pour cette journée, on a vraiment de bonnes énergies. Hein. Voilà. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Dommage. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si vous êtes là et que vous avez regardé la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui doit vous parler. Et ici, on a le magicien. Donc vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir évoluer. Voilà. On a encore. La fin d'un cycle et le début d'un autre aussi. C'est mourir. Enfin, il y a des choses que l'on on prend des décisions, on extermine et puis on avance comme on en a envie. L'amour. Alors. L'amour. Poisson. Une carte qui s'est retournée dans le jeu, je crois. Eh bien, oh. Bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a plusieurs choses ici. Donc moi, je dis, par rapport à l'amour ici, on trouve un bien-être. On retrouve un bien-être. On retrouve un équilibre. Mais j'ai aussi pour certaines personnes une addiction. Une addiction qui coûte de l'argent. Donc voilà, une addiction qui coûte de l'argent. J'ai aussi ça, c'est un petit peu d'argent. Ça, c'est
Beaucoup d'argent. Non, ici, donc, moi, pour moi, ici, il va y avoir des énergies, donc, de travail, un nouveau travail, peut-être. Ça me parlera de soins de santé, à vous de voir, et d'argent, petite somme, grosse somme. Moi, je ne sais pas pourquoi, ici, je vois... chirurgie esthétique, peut-être. Il y a une situation qui va être éclaircie par la parole, par les échanges parlés. Donc on va parler, on va pouvoir discuter et voilà, ça c'est bien aussi quand on peut discuter. Alors, ici pour les énergies générales, je vois, il y a donc ici un foyer stabilisé. Un foyer stabilisé. On achète quelque chose. En tout cas, il y a vraiment, on s'ancre par rapport à notre foyer, par rapport aux gens qui habitent avec vous, mais aussi peut-être qu'il y a l'achat ou la vente d'une maison à l'étranger, peut-être aussi, si ça vous parle. Il est possible aussi qu'en fait, il y a peut-être pas l'achat, la vente, hein, parce que ce n'est pas les cartes que je devrais avoir du coup. Mais j'ai quand même ici une maison à l'étranger, la lettre, on se stabilise, on s'ancre, donc il y a vraiment quelque chose par rapport à votre foyer ou par rapport à un bâtiment qui va se faire. Il y a des choses qui vont bouger. Vous allez peut-être emménager, vous allez peut-être partir dans une autre région, mais vous allez vous stabiliser. Il y a des écrits, alors ça peut être des documents administratifs aussi. Alors, ici, les amis, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ici, je vois des protections. Vous êtes protégés. Protégés par une personne. Pour moi, je vois une femme enceinte. Donc, peut-être que vous allez tomber enceinte. Je vois aussi le fait de tomber enceinte, mais tout simplement pour essayer d'avoir une pension alimentaire, quoi. Faites attention. Faites attention, vous faites ce que vous voulez, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Mais voilà. Sinon, si c'est comme ça, sinon, il y a ici, vous avez une double protection, les amis. Une double protection. Vous pourriez aussi apprendre la grossesse de quelqu'un ou apprendre votre grossesse à des gens. On a le jardin avec... Donc ici, on a des choses qui vont se savoir. Mais ça, jusque-là, c'est positif, le jardin. Donc il y a des choses qui vont se savoir. Il y a des choses que vous allez dire. Il y a une page que vous allez tourner. Peut-être par rapport à des gens qui font partie de votre cercle d'amis, de collègues, etc., de gens que vous connaissez. Donc il y a quelque chose qui va bouger aussi. Il y a une page sur la, il y a peut-être une page que vous allez tourner. Il y a aussi une décision que vous allez peut-être une décision que vous allez prendre de ne plus vouloir cette protection-là. Kyo. Alors, la toux. Ouh. C'est la dame ici. J'ai regardé, mais j'ai quand même la sortie.
Les oiseaux, ok. Alors là, on va apprendre une tromperie. On va apprendre qu'une personne vous trompe, qu'une personne... Ça va me parler de prostitution, ça va me parler d'arrêter la prostitution, ça va me parler... d'obliger une prostitution obligatoire. Prostitution par internet. Moi, j'ai envie de vous dire ceci. Faites pour une personne, probablement, faites attention. Alors, faites attention à quelqu'un qui pourrait vous dire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui va être rompu, une décision va être prise. Il est possible que madame, vous allez prendre une décision parce que vous allez apprendre que monsieur, ben, il va voir, je ne sais pas moi, il va dans des clubs de striptease, il téléphone ou il parle à des femmes, tout ça ne va peut-être pas vous faire plaisir. Et donc, vous allez rompre avec cette situation. Alors, donc, on trouve une stabilité pour certains, une stabilité dans sa maison. On trouve une stabilité dans son foyer. On construit son foyer. Il y a des documents administratifs. Il y a des documents qui devraient peut-être venir de l'étranger. On a aussi une stabilité financière dans son couple. On a... on échange avec des personnes... Alors, un cercle d'amis. Mais pas que... On échange de plusieurs manières, en tout cas. On rompt avec... avec quelque chose qui est en rapport avec le sexe. Ou quelqu'un qui est en rapport avec le sexe. On rompt, on va rompre. La personne qui trompe... Alors... Disons que vous êtes en triangulaire, ça va se reprendre. Donc, votre femme va la prendre. Elle va rompre. Mais je pense que c'est plutôt vous qui allez rompre avec la personne avec qui vous trompez votre femme. Mais peut-être que c'est aussi votre femme qui vous trompe et qui va rompre avec l'amant ou la maîtresse. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont parler ici. D'accord ? Donc ici, j'ai la verge, le poisson, le livre, le lys. Il y a des démarches pour certains. Faites attention parce que si vous vous faites avoir, il va y avoir des démarches administratives réelles contre vous, contre votre couple. On ne vous voudra plus. Ne croyez pas que tout est acquis. Rien n'est jamais acquis. Donc... faites attention, surveillez. Il y a de l'argent qui part aussi dans la prostitution ou de l'argent qui rentre grâce à la prostitution. Je n'ai rien contre la prostitution. Tant que c'est correct. Enfin, tant qu'on n'oblige pas les gens et surtout pas les enfants, non, bien sûr, mais je veux dire, en normal, quoi, je n'ai rien du tout contre les prostituées. Bien au contraire. Bon, bah écoutez, l'arbre, les trèfles et la verge. Je pense ici que
on va vous donner la chance de pouvoir retrouver une santé sexuelle, on se dit. En tout cas, ici, on retrouve une bonne santé qui est en rapport avec votre vie sexuelle. Voilà. Et il y a une chance ici qui arrive. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais peut-être une guérison. Peut-être qu'il y a eu des problèmes par rapport à votre santé, peut-être, ou à la santé de l'autre. Mais là, on est en guérison par rapport à ce problème de santé qui est en rapport avec le sexe ou avec l'appareil génital, l'appareil reproducteur, etc. On a quand même ici une union, une personne du passé qui revient. J'ai envie de vous dire que s'il y a une personne du passé qui revient, c'est peut-être pas toujours bon pour vous. Hein. On a le cœur quand même. Le cœur et l'anneau. Hein. Donc ça, c'est parfait. Le cœur et l'anneau. Donc ici, oui, il y a un amour qui revient du passé, ou qui est en train d'arriver, ou que vous pensiez perdu. En tout cas, peut-être que vous êtes en couple, mais il n'y avait plus la petite flamme. Mais là, maintenant, elle revient, la petite flamme. Vous allez faire en sorte de la raviver. D'ailleurs, on a la réussite ici. On a la clé de la réussite. Et j'ai envie de dire qu'on a la fidélité, le bonheur matériel et une maternité ou un changement ou un déménagement. Puisque j'ai la clé là, oui. Changement, déménagement, en tout cas voilà. Les choses s'arrangent ou continuent d'aller bien, de toute façon, au côté amoureux. Mais les choses s'arrangent, d'accord ? Les choses bougent, mais se stabilisent. Ça bouge pour se stabiliser. Voilà. Concernant l'amour. Maintenant, les amis, on va faire un petit oui ou non. N'est-il pas ? Avec un petit Lenormand. Petit Lenormand de la même famille de couleurs. Alors. Posez votre question, une question qui demande un oui ou un non. J'ai ici un problème de peau. Ou on n'a plus de problème de peau. Je ne me suis même pas maquillée. Oui ou non ? L'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. Et on y va. Les souris et les nuages. Oh, oh. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Normalement, ça n'est pas passé. Et on continue. Pour ceux qui veulent, c'est non. Et le oui, il était où? Oh, madame amoureuse. Oh, monsieur amoureuse. Et le oui, il était plus loin. Avant-dernière carte. Voilà, vous prenez ce qui vous plaît. Moi, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous souhaite vraiment
tout le bonheur du monde. Soyez positifs. Bisous, bisous.